de cette édition, jadis appelés Kuluna ou délinquants, mais aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont devenus utiles dans la société. Ils ont construit un complexe scolaire grâce au service national. Cette école a été inaugurée à Kabeya Kamwanga hier par le président de la République. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental, à suivre en début de ce journal. Vous suivrez également la tournée de sensibilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur qui a également vécu dans la province du Congo central. Le poste frontalier d'Elufu a constitué le point de chute où la boucle a été bouclée. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Je le disais en titre de ce journal, hier lundi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré et remis les clés d'une nouvelle école dénommée Complexe scolaire Dr. Étienne Tshisekedi Wamulumba au commandant du service national, le général Kasongo Kabouik, œuvre construite par les bâtisseurs du service national appelé autrefois Kuluna. Reportage René Lobo. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr. Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires au standard moderne, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mopompa, à 45 km de Kabeya Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remises au général-major Kasongo Kabouik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait. Mais pas totalement, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national, une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs. L'instruction du commandant suprême, du président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de significations pour le commandant suprême, parce que c'est là pour que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kasongo Kabouik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mopompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après Mopompa, direction Kabeya Kamwanga, territoire chargé d'histoire que le chef de l'État a également visité hier. Mais sur place, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le centre communautaire Étienne Tshisekedi, présenté comme le modèle à dupliquer dans les autres territoires. Reportage Giscard Kusema et Fiston Matondo. «
Le centre communautaire de Kabeya Kamwanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba et les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper le ruban symbolique de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable. D'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'adduction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. C'est un projet initié par Maman Kapinga Mulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie, pour donner de l'eau. À Kabeya Kamwanga, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé 6 pour avoir un débit par heure de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça, c'est une eau naturelle. Ce sont des sources artésiennes. C'est une source intarissable. Donc, naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc, toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela ne tient pendant le parcours du transport. L'eau peut être infectée, c'est ainsi qu'il y a une disposition de traitement, la chloration en ligne qui sera juste placée juste après les châteaux d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeya Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Retournons à Kinshasa pour parler de cette évaluation de la situation sécuritaire à la Saint-Sylvestre, à Kinshasa. On en parle dans ce journal. La police a assuré d'ailleurs le commandant de la ville-province Kinshasa, le général Silvano Kasongo, était lui-même sur le terrain. Reportage Joseph Oscar Mbalkaïch. Il était au four et au moulin la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. La sécurité des personnes et de leurs biens, voilà le leitmotiv qui a conduit le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Il s'est assuré du déroulement des festivités de fin d'année dans un climat de sérénité. Vous avez vu combien la population se réjouit en voyant les éléments de la police. Notre travail, c'est de sécuriser cette population. J'ai profité de l'occasion pour féliciter tous les policiers, ce qui prouve que la collaboration est parfaite entre la population et la police nationale congolaise. Silvano Kasongo et tous ses hommes de troupes ont fait la ronde toute la nuit de la ville de Kinshasa. Des chrétiens en pleine veille de prière, des Congolais lambda en train de se réjouir, d'autres ont jonché carrément les principales artères attendant la traversée dans la nouvelle année 2023.
Nous remercions le général Silvano Kasongo pour cette initiative, en tout cas qu'il continue comme ça. Des voix s'élèvent pour saluer cette initiative de la police ville de Kinshasa. Elle souhaite que cette opération soit pérenne afin d'éradiquer complètement les phénomènes Kuluna et faire de la ville de Kinshasa un havre de paix où il fait beau vivre. Et d'une évaluation à une autre, en tout cas dans la province du Nord Kivu, les festivités de la Saint-Sylvestre se sont déroulées sous haute surveillance de nos vaillants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo déployés un peu partout pour sécuriser la population. Encore une fois, retrouvons José Oscar Mbalkaïche. En dépit de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est, de la part du Rwanda via le M23, les habitants de Kichanga, dans le Nord Kivu, ont passé en toute quiétude les fêtes de Noël et de Nouvel An 2023. C'est la fête. On avait un peu peur ici à Kichanga, mais les phares d'essai nous ont sécurisés. Voilà pourquoi nous disons merci à tous les militaires, merci aux phares d'essai. Et la fête est totale ici à Kichanga. Plusieurs unités des FARDC ont été déployées dans cette partie du territoire national pour barrer la route aux ennemis de la paix et les bouter hors de la province. Il est vrai que l'ennemi poursuit avec ses intentions belliqueuses. Il essaye tout le temps d'infiltrer, n'est-ce pas, les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo, mais hélas, n'est-ce pas, ces derniers font face, n'est-ce pas, à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, laquelle détermination consiste à ne pas laisser même un seul centimètre, n'est-ce pas, entre les mains des agresseurs qui se trouvent être, bien évidemment, l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ces hommes et ces femmes ont foi en l'avenir. C'est tout le sens de l'ambiance enregistrée. Ils ont tenu à rendre belle cette journée de la Saint-Sylvestre. Vous avez reconnu la voix de Emmanuela, commissaire. Nous revenons sur ce qu'a été la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo, un document qui répond à la préoccupation de la défense congolaise. C'était au cours d'un briefing tenu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, qui avait à ses côtés son collègue de la communication et de médias, Patrick Muyaya Katembwe. C'était ici, au studio Maman Ongebi de la RTNC, il y a peu, regardez. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, ont procédé à la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Gilbert Kabanda a d'abord fait un regard historique de l'armée congolaise de 1885 à nos jours, dont la politique de défense n'a pas été définie depuis 1960, même s'il y a eu des actions collectives. Rendant hommage au chef de l'État, le Premier ministre et tout son gouvernement qui ont permis à la création de ce document, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a dans la foulée dévoilé les objectifs de cette politique qui se fonde sur 6 piliers. Dissuasion externe et interne, sécurisation des sites miniers et installations stratégiques, options logistiques et administratives, dont l'instauration d'un curriculum scolaire de l'école des cadres, la production de biens et services par l'industrie de défense, le service militaire obligatoire pour les finalistes d'écoles secondaires. Gilbert Kabanda a vanté les mérites d'un document qui vient répondre à la préoccupation de la défense congolaise. Il a par ailleurs plaidé pour des efforts sur le plan éthique. Il a également ajouté que la défense militaire sera insuffisante si elle n'est pas suffisamment articulée avec la défense civile. Pour le ministre de la Communication et Médias a corroboré les propos de son collègue de la défense, démontrant le bien fondé de ce document des politiques de défense de la RDC. Patrick Muyaya s'est réjoui de l'engagement du gouvernement sur la question sécuritaire pour construire la défense du pays. Patrick Muyaya a en outre plaidé pour que les objectifs coulés dans ces documents soient compris par toute la population. L'un des objectifs, c'est aussi d'attirer l'attention des Congolais. L'autre,
objectif est d'améliorer qualitativement le rapport entre les hommes en uniforme et la population, a-t-il conclu. Le coordonnateur de Pro-Étienne Tshisekedi, Lisanga Bonganga, a été reçu hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. L'évolution du processus électoral en cours en RDC était au cœur de leurs échanges. Reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le coordonnateur de l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Lisanga Bonganga, a conduit une délégation auprès du président de la CENI, Denis Kadima. Leurs échanges ont tourné autour du processus électoral en cours, avec un accent particulier sur l'environnement. Pour nous, on a accepté de venir à la source, chez le président Kadima, lui poser des questions, nos préoccupations citoyennes, et nous avons eu des réponses. Ça nous a apaisés. Nous lui avons demandé qu'il mette encore beaucoup de temps. Nous avons encore des collègues comme ça, qui ont les mêmes préoccupations au niveau des forces de changement. Il a dit qu'il est d'accord. En tout cas, pour un grand responsable qui accepte de vous donner tout le temps, nous avons posé toutes les petites questions, toutes les grandes questions. Et il nous a répondu. Et nous sommes très fiers, très contents. C'est ça l'esprit républicain. Et nous lançons aussi les messages pour les collègues qui restent, qui ont des préoccupations, ils nous verront et on viendra chez le président pour créer cette ambiance, pour que cette fois-ci, nous ayons des élections très très crédibles. Le rapporteur adjoint Paul Mouindo et le questeur Agé Matembo ont été associés à cette audience. Auparavant, le président de la CENI a reçu la chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, Bintou Keïta. L'évolution du processus électoral a été au centre de leur entretien, un processus qui est entré dans une de ses phases importantes, à savoir l'identification et l'enrôlement des électeurs. Pour cette rencontre, le président de la CENI s'est fait entourer du rapporteur, Madame Patricia Ntea Moulela. La tournée de sensibilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur a vécu, nous sommes là, dans la province du Congo central. La boucle a été bouclée par le poste frontalier des Loufou. Commentaire, Jean-Pierre Ndolo Demazou. C'est par la ville de Matadi que la campagne de sensibilisation sur l'usage du guichet unique de commerce extérieur a débuté au Congo central. Dans la salle de l'hôtel Lydia, les opérateurs économiques et services publics sont réunis, sont en présence des ministres provinciaux de transport et de commerce extérieur, Roger Nimi Mwanda. Ce dernier a procédé au coup d'envoi de cette campagne. La délégation mixte, ministère national de commerce extérieur et plateforme de guichet unique intégré de commerce extérieur qui séjourne au Congo central, vulgarise cet outil électronique neutre, transparent et sécurisé. Il est devenu opératoire pour les opérations du commerce extérieur pratiques en République démocratique du Congo et celles de l'import, export et transit. Le coordonnateur adjoint en charge de suivi de la réforme du guichet unique intégré, Matungu Lubola Olga, revient sur ses avantages. La réduction des délais et des coûts permettra notre pays à attirer les investissements et favorisera la croissance et la création d'emplois. Le représentant du ministère national de commerce extérieur parle, lui, de l'objectif de cette campagne. La campagne de sensibilisation vise à obtenir une adhésion totale de tous les acteurs afin de dissiper tous les malentendus. Il s'en est suivi la présentation de cette plateforme GIS mise en œuvre par Xugus SA, partenariat public-privé, qui répond aux normes internationales. La même activité a été réalisée à Bouma et s'est clôturée à l'agglomération de Loufou-Frontière. Les participants se disent satisfaits de cette nouveauté. Auparavant, la délégation venue de Kinshasa a présenté ses civilités au vice-gouverneur du Congo central. L'éducation n'est pas en reste dans l'emprise technologique, tant des progrès aujourd'hui apportés dans la qualité de l'enseignement et pour ce faire, des formations de formateurs sont organisées dans le but d'améliorer le système éducatif analogique en système éducatif numérique, cela grâce à l'appui de la France. Reportage Anastasie Dombou. Les enseignants des cours de français vont bénéficier d'un renforcement de leurs capacités par l'usage des outils propres au numérique et leur intégration dans la pratique pédagogique. Une formation des formateurs est prévue à cet effet du 2 au 6 janvier dans les installations du Centre géologique et minière de Kinshasa dans la commune de la Gombe.
L'objectif est de voir ces formateurs transmettre les connaissances acquises à leurs collègues enseignants et aux élèves futurs étudiants. C'est pour leur permettre à s'adapter aux nouvelles heures de numérique en évolution à pas de géant. Cas du système LMD au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. En tant qu'enseignant, nous avons une dimension didactique. Chaque enseignant de français ou bien chaque enseignant qualifié d'une manière générale a déjà une qualification dans son domaine. Mais avec l'avènement de l'Internet, il y a la technologie qu'on appelle innovante. C'est cette technologie amenée par l'avènement de l'Internet que nous allons utiliser dans nos classes. Voilà pourquoi il faut donner maintenant une dimension numérique aux enseignants. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, dans cette salle. Cette formation est assurée par les experts congolais à la personne de M. Mulumba Timanga et Robin Kankolongo. Cette activité est organisée par la Fédération des professeurs de français de la RDC en collaboration avec les fonds de solidarité pour les projets innovants de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Et parlons politique avec l'UDPS. La convention démocratique du parti CDP, organe délibérant du parti, sera en session extraordinaire du 6 au 7 janvier 2023 pour tabler sur la marche du parti et valider les recommandations des assises des Kisantou. Ces annonces ont été faites lors de la rencontre entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, et les présidents fédéraux de ce parti de l'intérieur du pays à Kinshasa. Reportage signé Alain Bikay. Fini les suspens au parti présidentiel. La date de la convocation de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, CDP, organe délibérant du parti, est connue. Après les consultations avec tous les organes statutaires membres de la CDP et l'autorité des référents du parti, le secrétaire général Augustin Kabuya a annoncé aux gestionnaires du parti à la base la date de la tenue de ses assises de tous les enjeux pour l'avenir de l'UDPS. La session doit avoir lieu du 6 au 7 janvier. Nous n'avons pas voulu faire des choses en précipitation. Il faut préparer une bonne session qui est attendu par tout le monde, y compris le président. Pour le numéro 1 de l'IDPS, ces assises auront pour mission de valider les recommandations des travaux de Kisantou et mettre fin au désordre observé dans cet organe du parti. En chef des troupes, Augustin Kabuya a exhorté les uns et les autres à privilégier l'unité et à faire la paix avec tout le monde, même ceux qui sont considérés comme traîtres. Nous mettons de côté nos intérêts personnels. Ce qui nous préoccupe, c'est le parti. Ne manque jamais. Même chez Jésus, il y avait des traîtres. Avec cette annonce, la machine politique idépécienne est prête pour les échéances électorales de 2023. L'Union pour les valeurs tshisekédiste en première ligne pour venir en aide aux vulnérables pendant cette période des festivités. Cette formation politique a remis une assistance aux orphelinats de communes de Ndjili et Limété ainsi qu'aux hommes de vieillards de Kabinda. Reportage Cédric Kenina. Les catégories cibles sont connues. Les démunis, les marginalisés de la société, bref, les nécessiteux et ceux. En réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'Union pour les valeurs tshisekédistes était un peu partout dans la capitale pour offrir des dons en nature. Les hommes des vieillards de Kabinda, l'orphelinat Les Rochers à Mombélé, commune de Limété, et l'orphelinat à Mema, commune de Ndjili. Les secrétaires nationaux, près les présidents de l'UVT, Delvongo Imbaya, explique la motivation. L'appel lancé par son Excellence Monsieur le Chef de l'État sur la solidarité nationale, c'est pourquoi nous sommes venus en solidarité envers toutes ces couches de la population démunie. Avec cet acte que nous venons de faire aujourd'hui, l'UVT prouve qu'il reste proche de la population. Geste salué par les bénéficiaires qui s'interrogeaient sans doute sur ce que serait cette journée de nouvel an sans cette assistance. Vraiment, Nazali est positivement touché. Je suis personnellement touché par ces gestes de l'UVT à l'endroit des enfants. L'UVT vient d'essuyer leurs larmes en leur redonnant sourire. Et nous, encadreurs, nous en sommes contents. Tout ce qui toujours se réjouir.
L'UVT prône les valeurs d'entraide, de solidarité et de citoyenneté participative, en soutenant bien sûr les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Sensibilisant sa base de Kindu sur l'enrôlement massif afin de participer aux élections en cette année, Omana Bitika Pascal a au cours de sa tournée distribué également des pagnes aux femmes vulnérables. Regardez. À l'occasion de la fête de fin d'année, l'honorable Omana Bitika Pascal, l'élu du regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès ADRP en sigle de la ville de Kindu, a procédé à la distribution de plus de 10 000 pannes dans le coin et recoin de la ville de Kindu dans la province du Maniema. C'était pour lui l'occasion de fêter ensemble avec sa base électorale tout en sensibilisant cette population de la ville de s'enrôler massivement afin de pouvoir participer activement aux élections qui se pointent à l'horizon, tel que demandé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. L'élu de la ville de Kindu, honorable Omana Bitika Pascal, a commencé la distribution des pannes le 25 décembre dans les différentes églises des réveils de la place, chez les mamans, chez les femmes musulmanes, pour clôturer le 31 décembre dans la commune d'Alungouli. L'honorable Omana Bitika Pascal a souligné que cette activité n'est pas considérée comme une pré-campagne, mais plutôt un acte de bienfaisance en étant un chrétien pratiquant et digne fils de la ville de Kindu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.